Gigi Wagnon, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je veux vous montrer comment je réalise mon afro sur cheveux courts. Comme vous pouvez le voir là, mes cheveux n'ont rien à voir d'un afro, mais on va remédier à tout ça. Et du coup, vous aurez besoin de juste un peigne à dents larges et de préférence les peignes afro, mais faites avec ce que vous avez. Pour avoir un afro bien comme il faut, je vous conseille de le faire sur cheveux secs. Alors moi, ce que je fais, c'est que je démêle bien mes cheveux avant. Soit je fais des tresses au fil ou des braids out pour, enfin des braids pour maintenir une certaine longueur. Et le jour où je veux faire mon afro, j'ai juste qu'à retirer la tresse et utiliser un peigne à dents larges pour donner du volume. Alors, comme vous pouvez le voir dans les images, je travaille par section, des petites sections pour bien manipuler la mèche, bien le démêler, bien faire son afro. Alors, du coup, je vous laisse avec les images. On se retrouve après. Voilà ce que ça donne au final, un petit afro bien arrondi. Franchement, quand on a le cheveu court, il y a des coiffures. Franchement, quand vous le constatez, j'ai les cheveux courts et mon afro est nickel et j'adore. Et pas besoin d'avoir des cheveux longs pour faire des belles choses. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu et à une très 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 prochaine. En attendant, prenez soin de vous et de votre entourage. Tchuss!